que c'est drôle. Boum, de la joie. Maintenant, ils vont essayer de la convaincre et ils vont se battre. Ils vont sortir les hostilités. Là. Bonsoir. Comment ça va? Ça va mieux. Ah, la gamine, c'est ça. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Audrey. Salut Audrey. Vous êtes timide ou vous êtes juste intimidé là? Les deux. Peut-être. Énorme. Écoutez Audrey, c'était un super moment. C'était solaire. Vous êtes tellement singulière. Votre voix est tellement... Pas que la voix. C'est tellement votre truc. Dès les premières notes, c'était tellement frais, c'était tellement nouveau, c'était tellement unique que voilà, on se laisse emballer, on appuie, on est quatre. Et je pense que le public a ressenti les mêmes choses que nous. Et ce qui est génial, c'est de voir votre personnage. C'est incroyable. Donc, y a une belle place pour vous chez moi, si jamais vous décidez de venir de ce côté-là. J'adore. Audrey, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que votre voix qui est singulière. Vous êtes singulière. Vous venez d'où? Je viens de Poitiers. Je fais un peu de musique. Énorme. Yes. Vous chantez depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Parce que vous avez quand même une voix super particulière, que vous utilisez d'une manière remarquable, où on a presque l'impression que vous pouvez vous l'abîmer, mais en fait pas du tout, puisque c'est votre organe. Je vous vois parler, oui. Et puis vous avez cette personnalité, on sent que ça bouillonne. Vous faites quoi? Vous faites que de la musique? J'ai un métier, un autre. Allez-y. Oh, j'adore. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Oui. Ah, bien. Ah, ils doivent s'éclater avec vous. Mais oui, bien sûr. Ils doivent vous adorer et je pense que ça doit bien rigoler. Non. Ah bon? Vous voulez dire que vous êtes... êtes mutine juste ici? Oui. Ah bon? Non. Non, vous êtes diverse. J'adore. C'est ça, hein. Et ça va, vous vous perdez pas. Non, vous, non, vous... ça va bien, ça va. Oui, ça a l'air. Oh, le personnage, mais grave.
vous en jouez très bien, Audrey. Il la veut, il la veut. Oh, on va s'amuser avec vous. Pourquoi t'es venue? Parce qu'on m'a appelé, alors... Mais comme ça, on vous a invité, c'est pour ça. T'as envoyé une vidéo, non? Non, on m'a téléphoné. Et après, au début, j'ai dit... je sais pas trop... Mais pourquoi? Ben, en fait, je crois que les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, je me suis dit que si ça se pointe chez moi aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. J'aime beaucoup cette philosophie. T'as changé l'atmosphère de ce studio tout de suite. Dans la performance, dans la manière que t'as chanté et dans la manière que tu es sur la scène. Mais c'est toi. Il n'y a pas une autre copie de toi. Et ça, c'est sûr. Et tu sais quoi? Mon équipe, c'est comme le film Amélie Poulain. Et c'est tous les gens qui sont comme les gens de tous les jours. Mais en fait, si on regarde un tout petit peu plus et si on se pose juste pour deux secondes et on regarde, on réalise qu'ils sont magiques. Et ils ne sont pas normaux. Ils sont magiques. Et toi, tu fais partie de cette famille. Alors, il y a une place pour toi ici. Ce que tu as fait, c'est hyper fort. Tu as provoqué de la joie. Oui. Tu as rendu les gens heureux. Et ça continue. Et on peut se dire que dans la musique, il y a plein de sortes d'émotions. Et que le fait d'arriver avec un éventail, un truc comme ça, on va rester dans la légèreté. Non, c'est en même temps « I can't get enough », bon, une chanson de Depeche Mode. La revisite, elle est super intéressante. Donc on sent bien ton univers entre un truc vraiment assez soul, assez swing. Et aussi le côté un peu Janis Joplinien aussi, que j'aime bien. C'est une espèce de truc un peu... quand je veux, je peux vous bouleverser dans le sens inverse. Là, j'ai décidé de vous rendre heureux et de me rendre heureuse. Je trouve ça génial. Vraiment. Ah ben non, on a des compliments. Donc là, il faut que je choisisse, c'est ça? Bah oui. Ça serait préférable. Comment tu vas faire? J'ai des éventails de très bonne qualité. Alors là, déjà, je ne m'attendais pas à ce que vous vous retourniez tous les quatre. Oui. Donc c'est la merde, mais... La joie. Hein?